Nous sommes à la galerie Le Pic, la galerie d'art Le Pic. Tout à fait. Et donc, c'est une exposition qui a lieu jusqu'au 30 juin. Oui, l'exposition annuelle. Chaque année, je fais une exposition par an pour mes collectionneurs de Parisiens. Chaque année, je montre une fois l'an mon travail. Donc, les amateurs, les gens qui me suivent, sont en prise directe avec toute ma création. Chaque année. Combien d'œuvres si on vient à l'exposition? Alors, c'est des, comme l'atelier est grand, comme vous le voyez, ça c'est intéressant. L'atelier, il y a quand même 80 œuvres sur l'année. 80 œuvres sur l'année. C'est presque une exposition, comme on dit, une exposition de musée. Ah oui, oui, effectivement, oui. Que vous avez peintes de quelle année à quelle année? Alors, ces œuvres-là, c'est un peu une rétrospective, parce qu'on a édité un livre qui en rend compte, et ce livre prend en compte les expositions, les peintures de 1983 à 2000. Exemple type de cette exposition-là sur Venise. J'ai choisi un endroit tout à fait simple, même pas très beau, de Venise. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et j'ai attendu, je fais toujours mes peintures d'après des dessins. J'avais fait les croquis. Et il manquait quelque chose dans ce paysage que j'ai attendu longtemps. Alors, je suis resté, j'ai refait un croquis, j'en ai fait 10, 15. Et d'un seul coup, sur un banc, sur un simple banc qui est là, une jeune femme est venue s'asseoir. Et ça y est. Je me suis dit, j'ai le paysage. C'est-à-dire que l'élément humain qui manquait, il était un peu vide. Et bien l'élément humain, c'était deux jumelles inscrites dans le paysage. C'était cette femme blonde, aux cheveux blonds. Et on voit juste les jambes, il y a une petite touche érotique si on veut, et ça a meublé. Là, la peinture était terminée. Moi qui fais jamais, qui travaille toujours très librement, là j'ai des amis qui étaient des dirigeants de chez Mouette et Chandon. Et comme ils m'ont vu, elles veulent aller en champagne, comme ça, prendre des croquis, des dessins. On m'a commandé, enfin le PDG de Mouette et Chandon m'a commandé une exposition sur les quatre saisons en Champagne. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Il ne s'agit pas de faire un reportage, il s'agit de faire de la peinture. Eh bien, au fur et à mesure, j'ai trouvé la géométrie, la géométrie profonde de ce paysage, et j'en ai fait des peintures un petit peu arides, ça donne, c'est très géométrique aussi, mais je pense que ça pue beaucoup. En Champagne, maintenant, il y en a beaucoup de mes peintures, et les gens ont acheté. Et ils ont trouvé là un peintre qui avait, au fond, sans qu'ils le sachent, exprimé vraiment leur pays. Et on m'a dit, mais maintenant, on voit nos champs, on voit nos vignes d'une autre façon. Puisque vous me le demandez, il n'y a personne qui le sait, je travaille sur une interprétation des autoportraits de Rembrandt. Pourquoi? C'est parce que je me souviens que quand j'avais 10 ans, j'allais en culotte courte au Louvre voir l'extraordinaire, le magnifique et si émouvant portrait de Rembrandt de 1960, quand il a tout perdu, sa femme, ses biens. Et c'est un peu une reconnaissance, c'est pas un hommage, puisque Rembrandt il a pas besoin d'hommage, c'est une reconnaissance envers Rembrandt. Si je suis peintre, c'est grâce à Rembrandt. Ah oui.